Exercice maintenant au niveau du deltoïde, le muscle de l'épaule. On va simplement prendre des bouteilles d'eau et on va simplement chercher monter au niveau du regard et de l'autre côté. Je souffle en montant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je retiens bien la descente. Je reste toujours devant le bassin, jamais sur les côtés. Jusqu'à 24. 16 à 24. 3 à 4 séries. Exercice un petit peu plus dur. J'ai les bouteilles sur le côté, je vais ouvrir, je reste bien droit et je redescends. Les bouteilles ne passent jamais devant. Donc là, ça permet de travailler le deltoïde sans dépasser la tête. Pour les personnes qui ont des douleurs au niveau articulaire à l'épaule. Vous pouvez également aller sur un exercice un petit peu plus difficile. Donc là, vous êtes assis. Et ce coup-ci, on va dépasser l'épaule. Donc là, c'est pour les personnes qui n'ont pas de douleur articulaire au niveau de l'épaule. On souffle en montant. On inspire en descendant. Toujours pareil, 8 à 12 répétitions, 3 à 4 séries. Choisissez l'exercice à vos capacités. Je vais maintenant vous présenter l'exercice avec un élastique, mais au niveau des épaules. Le premier exercice que je vais vous proposer, vous positionnez l'élastique au sol. Et vous allez simplement chercher à monter le bras devant jusqu'au niveau du regard, bras tendu. À 12 répétitions de chaque côté, 3 à 4 séries de chaque côté. On peut également le travailler sur le côté, toujours le bras tendu jusqu'au niveau de l'épaule. Identique donc de l'autre côté. Nous pouvons faire celui-ci devant ou sur le côté. Également au niveau de l'épaule. Donc on va travailler en rotation soit interne. Donc on va mettre l'élastique légèrement en tension et on va venir à l'intérieur, le coude bien collé au côte. Soit en rotation externe, toujours mise en tension. Et toujours pour chacun des exercices que vous choisissez, 8 à 12 répétitions de 3 à 4 séries.